Bonjour à tous, c'est Kilou. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour la suite des street arts à récupérer. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Alors, c'est parti pour la suite des bombes. Du coup, là, on va faire le quartier de Mendozaque. Donc, on a une première bombe qui est juste là. La suivante ici. Voilà, il est là sur la porte là. Donc là sur ce quartier, il y en a 9 à récupérer, hein. Il descend en bas là, le quartier, on voit que ça va jusque là, là. Donc là, moi je vais descendre tout droit, puis je vais remonter après pour faire les autres. Celle-ci. Juste là. En suivant comme ça va relativement vite quand même à récupérer les street art là sur les quartiers. Faut essayer de faire une boucle, quoi.
elles sont de l'autre côté là. Il y en a une qui est sur l'engin, juste là sur la grille. Suivant qui est juste là. Voilà. Et là, il y a celle-ci. Encore celle-ci et celle-ci. Vous voyez, on n'a pas besoin d'une voiture puissante hein, pour faire ça, hein. Même dès le début, hein, vous pouvez commencer à collectionner les street art. C'est bien, ça vous permettra de personnaliser un peu mieux votre voiture après, parce que on peut débloquer pas mal de vinyles avec, c'est plutôt sympa pour celui qui a envie de faire une déco avec sur sa voiture. Voilà, je vais aller récupérer celle-ci. Je vais revérifier que j'en oublie pas, que je fasse pas une bêtise. Après, on prendra celle-ci. Impeccable. Et la dernière, ici. Je vais me remettre sur la carte, j'ai peut-être été un peu vite, excusez-moi, juste là. Juste là, et voilà, pour la fin du quartier Mendoza Quai. Donc vous voyez, ça a même débloqué des néons, donc voilà. Et bien écoutez, je vous remercie à tous d'avoir suivi ma vidéo, et je vous dis à très vite pour la suivante, pour l'autre quartier. À bientôt, merci à tous.